je vais proposer quelques charades que tu vas avoir à trouver. Tu auras seulement quelques secondes de réflexion avant de répondre. Oh, c'est trop, c'est trop. À toi de montrer que t'as vraiment une imagination féconde. C'est pas comme toi. Alors maintenant, top 1, 2, 3, car ça va être à toi de jouer. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, vas-y, mon grand, je t'écoute. Mon premier est une danse qui, chez les jeunes, a fait fureur. Oh là. De mon deuxième, on a horreur, quelle que soit sa taille ou sa couleur. Mon troisième s'entend dans les prés et les champs qu'emboutent les moutons. Oh la poète. Mon tout est un insecte sacré dont le dos est un caparaçon. J'ai trouvé. Alors, la danse, c'est le ska. L'animal dont on a horreur, c'est le rat. Et ce qu'on entend dans les prés qu'on pêche les moutons, c'est... Ça fait scarabée. Très bien, t'as gagné. Je vais proposer une autre charade que tu vas avoir à trouver. Oui, bah on ne s'en lasse pas. Tu auras seulement quelques secondes de réflexion avant de répondre. Une me suffit. À toi de montrer que t'as vraiment une imagination féconde. Oui, ben ça, tu l'as déjà dit. Alors maintenant, top 1, 2, 3, car ça va être à toi de jouer. Oui, oui, oui. Eh bien, allons-y, mon grand. Bijou est mon premier, taillé très finement pour les belles dames d'antan. Oh. Mon deuxième tiré comme un gant ou tournerait sans bouger pour autant. Ah, ah, ah. Mon troisième, tu verras vite pourquoi un B2 moins pour être bon. Oh là là, dur, dur, dur. Mon tout sur une couverture écossaise a perdu toute sa raison. Ah, ah, ah. J'ai encore trouvé. Ce bijou taillé finement ne peut être qu'un camé. Ce qui pourrait tourner sans bouger, c'est le lait ou lait comme toi. Et un B de moins pour être bon, c'est haut. T'as fait camé, lait, haut. Mais vraiment, ne ris pas, t'es très fort. Ou tu as triché alors. Alors je te fais qui doudou. Allons-y. Attention, attention. Oui. Écoute bien, crois. Quelle différence y a-t-il entre une jeune fille de Bécon-les-Bruyères et une jeune fille de Florence? Alors là, tu me colles, je ne vois pas. Tu ne vois pas? Non. Non? Tu donnes ta langue au chat? Oui. Oh, quelle horreur. Mais je vais te le dire. La jeune fille de Bécon-les-Bruyères peut s'appeler Florence. Alors que la jeune fille de Florence ne peut pas s'appeler Bécon-les-Bruyères. Je n'ai rien compris. Hein? Je n'ai rien compris. Bon, tu veux que je te le répète? Qu'est-ce que tu crois? Alors voilà. Quelle différence y a-t-il entre une jeune fille de Bécon-les-Bruyères et une jeune fille de Florence? Eh bien, la jeune fille peut s'appeler Bécon, mais alors que c'est pas ça? Non, mais non, la jeune fille de Florence peut pas s'appeler Bécon les Bruyères. Les Bruyères? Non, les Bruyères. Oh.